Salut à tous, on se retrouve encore dans la suite de Alien Isolation. Je sais plus où on en était. C'est bon, je me souviens, je sais où on en est. La dernière fois, on s'est fait bouffer juste ici, enfin, dans la pièce à côté. Alors, il y a 1 million de portes à ouvrir, comme d'habitude. Mais nous, on essaye de suivre le chemin principal. On veut partir d'ici, on veut finir le jeu. Parce que c'est l'épisode 9, si je dis pas de bêtises. Ça commence à faire. Allez. J'y suis, Wade. On peut séparer le labo de la station principale. Remettez-le en ligne et les systèmes pourront se reconnecter. C'est ça. Dans l'épisode de hier, on est mort un nombre incalculable de fois et ça m'avait saoulé. Donc on va essayer d'éviter de mourir trop de fois, du moins. Au moins, mourir une ou deux fois, c'est pas grave. Puis si on meurt d'affilée, c'est pas grave. Ah oui, d'ailleurs, au passage, la dernière fois, on était sur l'iPhone, mais bien sûr, le jeu en performance, enfin, au graphisme le plus haut, le jeu a mangé la batterie. Donc, du coup, on est de retour sur l'iPad. Voilà, au moins, la batterie, elle est deux fois plus grande et ça dure forcément deux fois plus longtemps. Et c'est beaucoup mieux. Et l'écran est plus gros aussi. Donc, forcément, tout est mieux, tout est plus pratique. Meurs. Je sais pas ce qu'il faut activer ça. Ça y est, le courant est revenu. Maintenant, reconnectez les systèmes du labo à Sébastopol depuis la console qui se trouve dans le labo central. Attendez, il faut refaire le tour. Je suis bloqué, je peux pas passer. Si, je peux passer. On va éviter de courir. Où suis-je? Où vais-je? Est-ce qu'il faut que j'aille par là? J'en sais rien en fait. C'est toujours agréable. Est-ce que attends. Non, c'est quelque part ici qu'il faut aller, je crois. Ah, c'est là-dedans. Je vais éviter de gaspiller des munitions. Il est où? Crotte. Il m'avait vu, c'était sûr. Tac. 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 Fuite de matière dangereuse confirmée. Lancement de la procédure de sécurité. Attention, veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie la plus proche. Thank you.
Ok. Tu sais quoi? Dépêche-toi avant qu'il arrive. Je suis en pleine concentration. On va éviter de se louper à ce niveau-là. C'est ballot, ça. Tout le tour, hein. Non. Putain. C'est reparti. Ah là là, les joies directes. Du coup, il a été éjecté dans l'espace, en fait, le bordel. Je ne sais plus. Enfin, c'est, on aurait dit, quoi. Hey, hey, est-ce que quelqu'un m'entend? Ripley, c'est vous? Ouais, wait. C'est moi, espèce d'enfoiré. Vous m'avez enfermé.
Vous avez éjecté le labo dans l'espace. Qu'est-ce que vous croyez? J'avais pas le choix. Vous avez vu cette chose? Vous avez vu ce qu'elle a fait? Il fallait que je la sorte de la station. Quel que soit le prix à payer. Ouais. L'utiliser comme un pas. Me laisser crever. Mais ça a marché, s'il vous plaît. Merde, ça a marché. J'ai eu cette saleté. Je l'ai largué dans la géante gazeuse. La station est en sécurité. Et il y a ça. Il y a aussi le fait que vous êtes une ordure sans scrupules. Je retourne au bureau. On pourra reparler de vos méthodes quand j'y serai. Terminé. Dis-lui que c'est un con. Du coup, actuellement, il n'y a plus personne. On peut donc courir comme on veut, où on veut. Ok, j'ai ouvert ça pour rien. Pardon, je passe. Avertissement. Apollo a élevé l'alerte du confinement du danger au niveau Oméga. Merci. C'est censé vouloir dire quoi? C'est le début du jeu ici, je m'en souviens. De là. Non? Je suis perdu. Attends, c'est quoi ce délire? Fusil à pompe. Comment on fait pour ouvrir? On n'est pas censé appuyer là-dessus. A priori non. Alors attends, tout est fermé. Comment on fait pour y accéder du coup? Ça y est, si c'est bon, on peut y aller. Il fallait juste ramasser le fusil en fait. Nul. C'est le tout début du jeu. Cette alerte n'est absolument pas autorisée. Qu'est-ce qu'il dit? Des briquages, j'ai l'impression qu'on est plusieurs. En fait, non, c'est bon, tout va bien. Mais franchement, tu sens que c'est pas la fin du jeu, tu sens qu'il y a encore un truc. Ça pue. Ça sent l'alien. Ripley, c'est Ricardo. Tu t'en es tiré? Putain, c'est loin. Pas grâce à Wade. C'est un salaud sans pitié. Ça date pas d'hier. C'est une grosse tête de mule. S'il avait pris la peine de m'écouter, on n'en serait peut-être pas là. Ce qui est fait. Désolé d'avoir merdé avec le verrouillage. Laisse tomber. Tu m'as fait sortir au final. On se voit au bureau. La dernière chance. Du coup, ce n'est pas par là. Est-ce que c'est ce truc que j'ai vu? Porte fermée. Donc non, ce n'est pas par là non plus. Ah ! Une sauvegarde. Ça faisait longtemps. Trop longtemps. En fait, il n'y a qu'un chemin en fait. Donc, comment je fais pour y aller? Si là c'est fermé. On a un intrus.
là. On va suivre ce truc. Il rentre là-dedans. Il me donne accès. Me semble mieux que le fusil. Le fusil, je pense que c'est pour plus gros, tu vois, genre les androïdes. Bonjour, il n'y a personne. Schéma. Il y aura eu tellement de trucs à construire dans le jeu, j'ai jamais rien construit, mais il n'y a que les mines qui m'ont servi. Depuis que je suis arrivé. Non, c'est autre chose. Ils ont abandonné leur poste. Et je viens d'en voir dans une zone publique. C'est pas normal. Super. Fais gaffe à toi. Ok. Par contre, j'ai que 2 balles de fusil à pompe. Donc, j'ai rien à faire là. Oh, attends. Si, j'ai un truc à faire là. Sauvegarde. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, alors, comment je fais pour aller là? En fait, j'en sais rien. Au final. Écoute, on va continuer. Et arrivé au bout du couloir, il n'y a rien. C'est ballot ça. Donc il fallait bien que j'aille par là. Quelqu'un derrière la porte, mais ça c'est pas grave vu qu'elle est fermée. On prend ça. Ah. Il y avait longtemps qu'on s'était pas servi de cette machine. Je me suis fait niquer. Moi je vois des gens, je tire. Fumigène.
Ok. Bon, malheureusement, il n'y a plus de fusil à pompe. C'était... Il suffisait juste de passer par là. Moi, j'ai vu la porte se fermer quand je suis arrivé. Je me suis dit, on me bloque le passage. Je comprends rien à ce foutoir. Ils sont pas en train de répondre à des violations de propriété. Et c'est comme s'ils étaient en train de chasser. Chasser qui? Tout le monde. Les personnes. C'est-à-dire? Bah, moi, ça me donne pas l'impression que. Ça me donne les portes comme elles sont. On dirait qu'elles sont fermées. Quoi. En fait, c'est pas... Tu peux pas y aller, quoi. Du coup je sais pas qui s'ouvre, qui ne s'ouvre pas. Je ne sais absolument pas du tout où je vais. Et c'est fermé. Pas de blague. J'ai fait tout ce chemin juste pour me dire que là c'est fermé. T'es sérieux? On sauvegarde. Voilà.
Mais c'est fermé, mais bordel. Trouver de l'aide, partager erreur, audio, attends, on va l'écouter. Corrompu. X, je te laisse ça pour quand tu te réveilleras. Du coup, ça nous a rattrapé. Je sais que t'as encore du mal à accepter ce qui est arrivé à Foster. Mais il va falloir que t'arrêtes tes conneries maintenant. T'as vraiment abusé sur la bouteille. T'en as trop raconté à ces gens qui dorment dans son. Faites confiance à Atlanta. Toujours disponible, toujours à écouter, toujours à votre. Nos synthétiques sont conçus dans la simplicité. Non, ok, donc il fallait aller par là. J'ai plus de balles de fusil, ça c'est emmerdant. Je pense que ça va être le moment de construire des trucs. Pour échapper aux androïdes. Il me reste encore le lance-flamme. Dans le doute. Je sais pas du tout où je vais, mais ça a l'air un chemin tout à fait potable, donc ouais, je suis. On va recharger ça. Pièces où on va, c'est les mêmes. J'ai l'impression de tourner en rond. Y'a pas un code qui traîne. Je me suis installé dans la galerie du centre commercial il y a environ 24 heures. Les gens ici, ils ont peur. Ils croient encore que le Marshal Waits va tuer la créature. Ils oublient les autres dangers. Ils oublient qu'ils sont là, eux. Les gens se retournent tous les uns contre les autres pour la nourriture. Ah non. Je vais dire non, je vais pas mourir là comme ça pour rien quoi. D'ailleurs, pour éviter de mourir au passage. Bêtement. C'était pas beau à voir et je comprends bien que tu veuilles pas faire de vagues et que ce soit géré le plus vite possible. Mais je veux m'assurer que tu fasses rien d'y réfléchi. Je veux dire, on peut choper le spécimen vivant. Si on la joue finement, on pourrait s'assurer des jours heureux. J'ai des contacts, Waits. Je peux arranger ça. T'es plutôt jeune, Waits. Tu peux pas faire ça indéfiniment. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire quand Sébastopol fermera? T'as mon numéro. Ransom, terminé. Une
Et puis il y a des ordinateurs de partout. Au moins on en apprend un peu plus sur l'histoire. J'espère que vous écoutez, au moins que vous faites pas semblant. Et c'est des gens. Il y a des gens vivants. Les ont massacrés. Pourquoi, putain? Pourquoi? J'en sais rien. Mais Samuels doit le savoir. Samuels? Pourquoi? Waits lui a demandé d'accéder à Apollo. Il faut que je le trouve. T'as vu Taylor ou Marlowe? Non, non. Ils sont pas ici. Très bien. Ricardo? Ricardo, si je pars à la recherche de Samuels, tu peux gérer cet endroit. Tu seras mes yeux et mes oreilles. Hors de question que je reste ici. Ricardo, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux t'occuper de la station et assurer mes arrières? Ricardo! Ouais. Bien sûr, pas de problème. Reste ici, verrouille les portes et laisse entrer personne. Occupe-toi de me guider. Je reviendrai te chercher. Ok. Trouver Samuel dans la geste. Dans le truc synthétique. Donc à partir de là, c'est une nouvelle zone que nous n'avons pas encore explorée, si je dis pas de conneries. Ah si. Ah, on revient ici. Que le lance-flamme serait efficace, mais en fait pas du tout. Par où on passe? Parce que là du coup c'est ouvert. Oui. Ok. Sans trace, on s'en fout. Du coup, c'est celui-là, si je dis pas de bêtises. Ouais. Allez, c'est parti, go. Il n'y a pas grand beaucoup d'ennemis, mais c'est quand même la mouise. Hein. C'est le cas de le dire. Hein. Du coup, ce petit machin peut aider, sauf s'ils sont plusieurs. Dans ce cas-là, c'est compliqué. Les piles, j'en ai une ribambelle, on s'en est jamais servi de ce truc. Pour en utiliser une, c'est bon, c'est pas grave. Celle-ci, les supérieurs de Sixon Synthetics sont actifs. Rip, je sais pas si j'y arriverai. Ricardo, il faut que tu te concentres. T'es responsable maintenant. Responsable? Responsable de quoi? Une salle pleine de cadavres? C'est la merde. Concentre-toi, Ricardo. Si Samuel s'arrive à consulter Apollo, il pourra calmer les androïdes. On en aura enfin fini. Du coup, où faut-il que j'aille? Trouver Samuel dans la gestion bidule truc. C'est où? C'est là-bas. A priori.
l'ascenseur. Pas celui-là. Voilà, celui-là. C'est celui-là, oui, c'est celui-là. Allez, go. On est moins stressé hein, quand il n'y a plus l'alien, ça va. On avance. C'est beaucoup mieux. Les temps de chargement, ça va, on n'a pas à se plaindre. Ils sont assez courts. Sauf quand tu charges la partie, là c'est un peu plus long. Bonjour. Ripley, il y a une alerte qui sonne dans les labos pas très loin. Les ascenseurs sont HS. On dirait que les synthétiques de Simpson n'apprécient pas que leurs camarades de la Wayland Yutani viennent fouiller. Comment je monte? Va falloir grimper. Il y a un conduit de service dans le coin qui mène à la caisse d'ascenseur. Mot de passe. Intéressant. Alors. Oui, donc il faut prendre cette porte. Mais elle est bloquée. Par un mot de passe. Donc je me souviens d'ici. Si loin à trouver. Attends, je m'éloigne peut-être pour rien là en fait. Il y a un ordi là. Mais je l'ai même pas vu. Je passe devant comme un imbécile. 83, 82. Ah, voilà. 83, 82. Voilà, j'ai bien fait de revenir sur mes pas. Donc là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Donc, du coup, là, c'est par là. Forcément. Allez. C'est haut. On peut pas regarder en bas. Il vaut mieux pas regarder en bas de toute façon. Ok. J'avoue, j'ai eu un petit saut de tête quand même. Foutu pour le demi-tour. Et là, tu vois la tête de l'alien qui sort. Et c'est foutu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé un point de sauvegarde, non? Viennent ici pour mourir. Étrange.
Et qu'est-ce que vous en pensez si on s'arrêtait là pour garder le mystère pour la prochaine vidéo? Moi, je pense que c'est pas mal. En plus, on a une sauvegarde, donc c'est nickel. Ouais, je sais, je suis un enfoiré, mais au moins, ça garde du suspense pour continuer la série. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour la suite de Alien Isolation. Salut!